Les Français ont bel et bien retrouvé le moral. D'après l'INSEE, en janvier, l'indicateur a augmenté d'un point par rapport au mois dernier et atteint pour la première fois depuis 10 ans le seuil des 100 points. Une bonne nouvelle qui étonne beaucoup de monde. Ça m'étonne parce que quand on parle autour de nous, tout le monde a le moral dans les chaussettes, hein, c'est le cas de dire. À l'heure actuelle, comme la vie est très chère, pour investir, il faut avoir les moyens et ce n'est pas mon cas, je suis à la retraite alors. À l'avenir, c'est difficile, hein. Pour aujourd'hui, c'est difficile à dire. L'opinion des ménages sur leur situation financière future est-elle aussi à la hausse? 3 points de plus, avec des craintes du chômage qui se dissipent. Je sais que les adultes, ils sont un peu plus méfiants. Et nous, les jeunes, moi, perso, je suis confiante. Pourquoi pas créer son propre métier ou... Les ménages interrogés par l'INSEE ne semblent pas pour autant prêts à consommer plus. Les Français disent être conscients du retour de l'inflation au cours des 12 prochains mois, qui grignotera leur épargne et leur pouvoir d'achat.